Hello YouTube et bienvenue dans votre nouvelle chaîne d'investissement qui est Esprit Financier. Aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme de crowdlending Bien Prêté, qui est une plateforme avec un passé assez conséquent en termes de projets. Il y a pas mal de projets. Là, vous voyez, par exemple, il y a eu 1967 projets intégralement remboursés sur la plateforme. C'est énorme. Donc, 493 projets qui sont en cours de remboursement. Et un projet en cours de financement. Donc, il sera en cours de financement aujourd'hui. Là, on est le 11 août. Ça sera à 17h. Je risque de me positionner là-dessus. C'est le Comité National de Gymnastique qui demande un financement. Je me suis aussi placé là sur Carrefour aujourd'hui. Carrefour qui veut augmenter ses stocks à Sainte-Marie à La Réunion. Donc voilà, client final, groupe Carrefour. Le groupe Carrefour qui demande un financement, je veux dire, évidemment, c'est extrêmement sûr. Hein, la note est de A. Bon, c'est financé, le prêt c'est 10 mois. 10 mois à 9%, on prend. On prend. Donc voilà. Regardons du coup comment se passe le site. Donc nous avons en premier lieu du coup les projets. Les projets qui sont du coup classés en fonction du montant total d'investissement demandé. Donc vous avez moins de 5000 euros, plus de 25000. Bon, très souvent c'est plus de 25000. Hein, vous voyez. Regardez comme ça, voilà. Très très souvent c'est plus de 25000. Moins de 5000, il y en a. Hein. Il y en a eu. Genre Nocibé là, je vois. Mais il n'y en a pas eu énormément. Voilà. Il y a eu 132 résultats, c'est ça. Hein, 132 résultats, alors que les plus de 25000, 220. Ça c'est sur tous les projets en cours, bien sûr. Ensuite, vous pouvez aussi classer par taux, donc de 0 à 12%. On voit de toute façon que globalement, vous voyez les derniers, ça se passe globalement aux alentours de 9 à 12%. Si on passe quelques pages, voilà, c'est à peu près pareil. Hein. 9 à 12%, très rares sont les taux très bas. Hein. Regardez, celui-là, 0 à 3, il n'y en a pas. 3 à 6, il n'y en a pas. 6 à 9, voilà, ça commence à partir de 6. Donc on a Carrefour, Leclerc, voilà, c'est quand même des boîtes connues. On peut avoir confiance en Carrefour, en Leclerc. On peut leur prêter notre argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défaut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défaut. Et pour preuve, j'ai récolté des statistiques sur la plateforme Bien Prêté. Donc c'est cette ligne-là qu'on va regarder. Donc sur cette plateforme, on a des statistiques qui nous ont été données par le blog Argent et Salaire. Je les remercie. Donc on voit que le taux de défaut est de 0%. Ils n'ont jamais eu de défaut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Mais bon. Le taux de rendement l'année dernière, en 2021, était de 10,49%. C'est très très haut. C'est vraiment top tier. On prend. Le nombre de projets en 2021 était de 259. Pareil, beaucoup de projets. Pour un très haut taux de rendement et très peu de défauts, c'est très remarquable. Du coup, c'est une plateforme vraiment en or. On a une assurance, une garantie. Ça ne nous assure pas de ne pas perdre de capital, mais si le projet n'arrive pas à son bout, on peut espérer avoir un remboursement partiel ou total ou malheureusement rien du tout. Mais en tout cas, voilà, il y a une assurance, une garantie, taux de défaut zéro. Voilà, normalement, on marche sur des bases solides. Il y a un robot d'investissement, ce qui vous permet de placer votre argent sur Bien Prêté, et Bien Prêté, eux, vont l'investir automatiquement sur les projets dont vous avez voulu, selon vos critères,
Voilà, on va regarder par exemple moi. Je n'ai pas mis le robot. C'est pas dans mes envies. D'ailleurs, oui, on peut aussi comparer notre répartition sectorielle, géographique. C'est trop bien. Alors, détail de mes opérations. Donc, on voit que j'investis une fois là pour Carrefour à La Réunion après un dépôt de 1000 euros. Alors, moi je veux prêter. Je ne sais pas comment on fait pour prêter en automatique. Ah voilà. C'est donc ici. Donc dès 20 euros et sans aucun frais, vous pouvez investir automatiquement sur les projets qui correspondent aux critères que vous avez choisis. Donc on choisit notre formule. Donc voilà, par exemple 500 euros. Faut avoir en fait l'argent qui est écrit. Donc imaginons que je choisis cette formule, 500 euros. C'est-à-dire que j'ai 500 euros, je veux les investir. Faites-le automatiquement pour moi. Et donc là, on peut choisir du coup la note. Donc moi je veux juste A ou B, par exemple. Je veux une garantie obligatoire. Alors uniquement pour les projets bénéficiant de capital garanti par bien prêté. Oui, je veux une garantie obligatoire. Ça me permet d'augmenter ma sécurité. Type de prêt, est-ce que c'est amortissable ou in fine? Moi personnellement, peu importe. Durée maximum de prêt. Moi comme je vois en très très long terme, peu importe une fois de plus. Le mieux c'est le plus long terme possible, mais si c'est du court terme c'est pas grave, ça se réinvestira. Et le montant maximum que je veux allouer par projet, 100 euros. On va le mettre en route, ce robot. On va le mettre en route. Et voilà, toutes les durées, tous les projets A, B. Voilà, hop, enregistré. C'est parti. Et on active la formule. Voilà, comme ça, donc 500 euros vont être alloués automatiquement par le robot d'investissement de bien prêté sur des projets. Notamment, il y a celui-ci qui va arriver du coup. Je sais pas quel sera le montant maximum autorisé d'investissement, c'est 300 euros. Donc là, mon robot devrait, parce qu'il est éligible, mon robot devrait investir 100 euros dessus automatiquement. Normalement, il est éligible parce que c'est la note B. J'ai pas demandé un taux spécifique. J'ai juste demandé notre A et B. Note A et B. Voilà. Donc là, on voit que l'entreprise Technigym souhaite financer une partie de sa facture de vente pour un montant de 60 000 euros. La destination du financement permet de couvrir une créance suite à la réalisation d'équipements de gymnastique pour le Comité National de Gymnastique FSGT. Voilà. Je pense pas qu'on risque grand chose avec ce genre de choses. Donc voilà, le bon de commande. Le bon de commande comprend des barres, cheval d'arçon, table, enfin. Des trucs techniques de gymnastique. Rien à voir pour nous. Nous, on prête juste l'argent. C'est vraiment très intéressant. Aucun commentaire. Bon, on peut voir ce qu'est l'entreprise, mais bon. Ça, on voit très bien. Donc voilà, en revenant vite fait sur l'Excel. Du coup, robot d'investissement, oui. Le rendement depuis sa création. Parce que là, on voit le rendement en 2021, qui est de 10,49%. Mais depuis sa création, c'est encore plus. 11,69%. C'est une plateforme à vraiment haut rendement. Hein. C'est d'ailleurs, parmi toutes les plateformes dont je vais vous parler, c'est la plateforme avec le plus haut rendement possible. Si vous investissez 200 euros sur ce site via mon lien va vous donner 10 euros supplémentaires. Mine de rien, c'est énorme. C'est tout simplement un rendement de 5% en instantané. Ça se prend. Il faut avoir du coup investi les 200 euros sur des projets. Moi, je vais l'avoir fait là aujourd'hui. Du coup, comment faire pour profiter de cette offre, il faut utiliser mon code de parrainage qui est juste là. Vous le retrouverez dans la description. Vous retrouverez aussi un lien si vous le souhaitez. Et le lien sera aussi disponible sur Twitter. N'hésitez pas. Maintenant, regardons un petit peu mon tableau de bord sur bien prêté pour un peu se rendre compte comment ça se passe. Donc on voit que j'ai prêté 180 euros. Que du coup j'ai un capital de 180 euros à recevoir et normalement je vais recevoir 13,50 euros d'intérêt brut.
Donc après, bien sûr, il y a les impôts à payer, les prélèvements sociaux. Mais voilà. Mon taux de rendement interne est de 9 euros, 9% 57, pardon. Répartition sectorielle. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul projet à mon actif, donc il n'y a pas de répartition possible. Mais on voit que là, ce sont des produits manufacturés. 100% de mon portefeuille investi dans ce secteur. En répartition géographique, donc on voit que la plateforme bien prêtée se focalise essentiellement en France. Et là, en l'occurrence, mon projet se porte à La Réunion. Répartition par emprunteur. Donc là, on voit que c'est Sorem qui s'occupe de ça. Pour ce qui est du prochain prêt, ce sera du coup Technigym qui va s'occuper pour un taux de 9,80 sur une durée de 14 mois. Voilà. Et donc d'ailleurs, j'aimerais voir vite fait. Ça se passe à Paris. Donc répartition sectorielle, voilà. Du coup, on aura un peu de métropolitain, un peu de l'île de la Réunion. Voilà, les principaux atouts, hein, client final, comité national. On ne peut pas avoir de doute sur ces personnes-là. Client final de longue date sans incident de paiement. Logique. Donc ça va être très prisé et je risque d'investir 300 euros là-dedans. Hein, vraiment au portefeuille. Pourquoi la note est de B? Note financière de l'emprunteur B, bah c'est normal, c'est une association, ça génère pas beaucoup de revenus, c'est logique. Note du délai de remboursement, 14 mois, bon, je m'en fiche un peu. Et du coup, la note de bien prêté est de B, je comprends. Du coup, le remboursement devrait se passer le 5 février 2023. Du coup, j'ai bien placé 180 euros sur Carrefour. Et on me dit que ça va me rapporter 13,50 € en 10 mois, du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ce site. Ils sont sérieux sur le peu que j'ai vu, le peu que je me suis informé. Merci à Argent et Salaire pour tous leurs comparatifs sur toutes les plateformes. Ça m'a aidé beaucoup à faire mes choix et parmi mes choix, il y a la plateforme bien prêtée qui est sûrement la plateforme top tier selon moi. Voilà. À la prochaine.